Ils ont tracé la lignée, tracé. Ils ont vu. Alors son mari allait vérifier, vrai que la lignée là se trouve où. Donc vérifions. Il a dit, ah, ici c'est la postérité de Jésus. On y va. On y va. Tu quittes là-bas. Oh. Ils n'ont pas l'occasion de partir. Quitte là-bas. Garçon, quitte là-bas, tu t'assois sur la chaise blanche. Tu as Abraham, parle, tu ne prends même pas. Et Manu, pars là-bas, c'est le moment d'en va dessiner. Laisse les hommes bien de là-bas viennent. Venez. Non, c'est bon. Tu comprends dans ce langage-là, non? Dans le langage de Dieu, si tu ne saisis pas le langage de Dieu, Emmanuel quitte là. Si on ne saisit pas le langage de Dieu, c'est comme ça qu'on va toujours aller. Oui. On va lire quelques passages bibliques. 1 Corinthiens chapitre 9. Vous y êtes. Donc quand la Bible dit, là je voulais parler de ces choses, de ces petits langages de la Bible, pour qu'on puisse voir cela avant d'avancer pour dans vos questionnements, des petits questionnements. On a vu ici, dans 1 Corinthiens chapitre 9, lis voir à partir du verset 1. Okay. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres? Et les frères du Seigneur et Céphas. Stop, soulignez les frères du Seigneur et Céphas. Vas-y. Maintenant, Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8. Asia. Faut boire l'eau, mamie. Matthieu chapitre 8. Yes. Très bien. C'est toi qui lis. Hein. J'attends que tu ouvres. C'est que tu ouvres, c'est bon. Ok, c'est ça. Maintenant, lis le verset 14. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Donc, si on dit qu'elle s'est rendue à la maison de. À la maison de Pierre. Et il vit ça. Il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Cette phrase-ci est en train de dire quoi? Ok, Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre. Que de Pierre. Donc, il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. C'est-à-dire qu'il est venu. Donc, Pierre est comment? Il est marié. Il est marié. Donc, mais on n'a pas dit que Pierre est marié. Mm-hmm. Le langage là, voilà, ça sous-entend que Pierre est marié. Qu'est-ce qu'on a lu dans 1 Corinthiens 9 tout à l'heure? Il a dit quoi? N'avons-nous pas le droit de mener une vie? Hein, la mère. Oui, qui c'est? Notre épouse. Non. Comme les frères du Seigneur. Rentrons là-bas, rentrons là. Vous avez, j'ai demandé que vous souligniez, non? Mm-hmm. Comme les frères du Seigneur. Et s'efface. Vous savez pourquoi il prend ce passage? Parce que quand on dit aux catholiques que Marie avait les enfants, que Jésus avait les frères, il dit que non, ces frères-là pouvaient être ses disciples. Mm-hmm. Or, clairement, ici dans ce passage, si on met la différence entre ses disciples. Et ces frères dont on parle, on dit que les frères dont on parle, notez Jean chapitre 7. Ces frères dont on parle ne sont pas ses disciples. Il dit Jean chapitre 7. Donc, il lit encore, n'avons-nous pas le droit? Ok, vas-y. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme? Oui. Comme font les autres apôtres. Virgule. Et les frères du Seigneur. Et les frères du Seigneur. Vous voyez qu'on a mis la différence entre les apôtres, c'est-à-dire que Jean et ainsi de suite. Jean 7.
et les frères et les frères du Seigneur et même qui et Céphas, donc apôtre et même Céphas qui est le veut dire celui-là qui est comme qui a la prééminence, même lui est aussi là, il a aussi une femme. C'est pas lui qui nous intéresse. Il s'est même pris son cas pour venir ici pour nous montrer que il nous a dit là-bas que il est marié. Mais maintenant, ici, on a vu clairement sa belle-mère. Mm-hmm. Qu'on parle de sa belle-mère. Oh, là-bas, on ne dit pas qu'il est marié, on parle de sa belle-mère. On dit la belle-mère de quelqu'un quand il est marié. Mm-hmm. Donc, ce langage se montre clairement que chaque fois qu'on lit la Bible, il faut qu'on comprenne ce que la Bible est en train de dire par là. D'accord? Oh, maintenant, ici, dans ce passage, on dit que n'avons-nous pas le droit de mener une sœur qui soit notre femme comme font les apôtres du Seigneur, les apôtres et qui les frères du Seigneur. Les frères du Seigneur, entourés les frères du Seigneur. Tu vois, et les catholiques disent maintenant que non, les frères, ça pouvait être les parents, ça peut être les proches, parce que chez les juifs, ils avaient les mots pour qu'ils appelaient n'importe qui, ici, n'importe qui. Ah! Maintenant, on va voir. Pourquoi? Parce qu'on essaie de vouloir pousser la Bible à bout pour pouvoir garder la doctrine de l'Immaculée Conception. Vous voyez cela? Que Marie est vierge, toujours vierge. Donc, comme un homme ne l'a pas connu pour qu'il ait l'enfant, après Jésus, il est resté vierge jusqu'à sa mort. Dis à ton voisin que tu parles. Mon frère, dans la Bible des catholiques, là, il n'y a pas le livre de Jacques là-bas. Il y a tout ça dedans. Tout ça dedans, même ce que tu en as lu là, c'est là-dedans. Mais il lit maintenant, il dit maintenant que non. Et maintenant, tu ouvres ta soupape, tu n'as pas dormi. Donc, tu vois, ici, on parle des frères du Seigneur. Donc, vous remarquez que dans ce passage, on fait le distinguo entre les apôtres et les frères du Seigneur. Identifions donc ces frères donc, dans les Saintes Écritures. D'accord? Chapitre 17 des Jean. Que Dieu vous bénisse. Passez mes meilleurs moments de la vie, mes meilleurs moments. Vous êtes dans la Bible, vous oubliez qu'il y a un lendemain. Vous oubliez qu'il y a à manger. C'est quand ton ventre t'éternel bien que Dieu dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Vous mangez, vous continuez encore. C'est pas ça. Hein? Tu vois que quand tu fais ça, est-ce que tu penses encore des différents, les RER de Paris, c'est différent, les trams, des combinaisons. Est-ce que depuis il y a la télé, il y a les combinaisons. C'est les combinaisons bibliques maintenant que tu viens de chercher ici. Jean chapitre 17, l'une à partir du verset 1 jusqu'à ce qu'il dit stop. Après cela, Jésus parcourit la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Et ses frères lui dirent... Stop. On parlait de qui dès le départ? Jésus. Et on dit que ses frères lui dirent... Oui. Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Parce que dès le départ, même ses propres frères ne croyaient pas à ce qu'il était. Puisqu'on le connaissait, ils ont grandi ensemble. Il dit que tu sais quoi? Parce que Judée, c'est le territoire le plus virulent. Quand tu dis que tu es des dieux, sortez des dieux, passe en Judée, on va te voir. C'est la Judée qui était le sucre pour pouvoir persécuter les gens. D'accord? Maintenant, il dit que pars d'ici, va en Judée et présente-toi au monde. Vous voyez cela? Parce que quelqu'un qui désire de se paraître ne se cache pas. Va donc là-bas pour que tes disciples voient. Continuons. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Soulignez ça. C'est pour ça que quand vous voyez quelqu'un qui est Jacques, par exemple, qui a écrit la Bible, qui est le résultat comme une colonne, il faut avoir la grâce et la miséricorde de Dieu qui soit venue jusqu'à lui pour que par la suite il croit au Seigneur. Parce que lui commence à l'appeler Seigneur. Il commence à l'appeler son grand frère Seigneur. Il dit ses propres frères ne croyaient pas en lui. Ouvrez Marc et notez. Marcos. C'est à Marcos. Tu es déjà fort. Hein? J'ai fait mon classement. Dans la tête là. Mathieu, Marc, Luc, Jean. Acte des apôtres. Depuis, non. Petit à petit, c'est bon. Tu vois que petit à petit, tu découvres ça seul, non? Très bien, le chapitre 3. Frédéric, ça va? Ou bien ta tête est déjà dans l'avion? Ça va. Tout le monde est au chapitre 3. Nous allons lire les versets 30 à 32. Tu peux nous lire ça, Nati? 30 à 32. Jésus parla ainsi parce qu'il disait: il est possédé d'un esprit impur.
survinrent sa mère et ses frères. Stop, souligné. Survint sa mère et ses frères. Donc, pendant qu'il y en a parlé, ces histoires, il discutait avec les juifs, ils l'insultaient, que du coup, il chassait par le démon, il chassait par l'esprit impur. Pendant qu'il a discuté, et on avait entendu le procès, l'outrage avec les questionnements. Et puis, la famille a débarqué. Parce que même sa famille disait qu'elle était fou. Même sa propre mère était dans le groupe. On avait tourné la tête de sa mère. Pourtant, sa mère savait ce qu'on lui a dit de lui. Elle savait que l'ange était venu. Elle savait que ce n'est pas un homme qui l'a touché. Elle savait tout cela. Mais la famille a pu la contaminer. Quand même terrible, ce mari-là. Alors. Oui. Sa mère et ses frères, qui se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui. Et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. C'est clairement. Donc, ça veut dire que la foule dit, voici ta mère. Même la foule connaissait que Marie avait des enfants avec ses frères. On connaissait. Et là, les gens... Les Babyloniens viennent nous faire comprendre aujourd'hui que... Que ce n'était pas ses frères. Que non, le cousin aussi était considéré comme frère. Il dit okay. Dis-lui qu'il y a quand même Marc, le cousin là-bas de Barnabas. Qui a déjà vécu. Au moins, on n'a pas dit frère de Barnabas, on a dit cousin de Barnabas. Ok. Comme on a dit frère là, considère d'abord que c'est d'abord son ses frères, pour commencer. Tu entends? Et qu'est-ce que Jésus va répondre de cela? Et il répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères. T'as vu ça? Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Amen. C'est ce que nous faisons ici. Absolument. Applaudissons pour Bouba. Il a entendu. Donc, on vient d'établir que malgré que les gens veulent faire comprendre aux gens que Marie n'a pas eu de mère, des enfants, il y a eu des mères. Mais bien plus maintenant, on voit même les noms. Les noms, c'est noté dans la Bible. Premier nom. Allons-y. Il y a Jacques. Jude, oui. S'il te plaît, ce sont les noms des frères de... De Jésus, c'est là, dedans. Donc, okay. Comme ceux qui se lèvent, on dit là où c'est écrit. Ok. On dit, demande-le. Toute question biblique. Parce qu'il faut que quelqu'un te dise, ok, les frères, là, ils s'appellent comment? Tu donnes le nom qu'il a donné, tu donnes la référence, on l'a donné, comme ça, peut pas lire. Ils ont dit Jude et Jacques. C'est pas seulement ça. Ils ont été nombreux. On va voir. Ils avaient les frères et les sœurs. Donc, Marie a accouché beaucoup d'enfants. Mais les catholiques, là, ils ont lu la Bible. C'est écrit dans la Bible, non? Mais ils ne veulent pas parler. Okay. Là, c'était le procès. Je savais pas. Tu ne savais pas comment? Ah non. Tu ne savais pas quoi? Que dans l'église catholique, ils disaient que Jésus n'avait pas de frère. Oui, c'est pour ça qu'on dit que Marie, quand on dit la Sainte Vierge Marie, ce n'est pas par rapport à la référence du fait qu'il est accouché Jésus étant vierge. C'est qu'ils disent que Marie est restée vierge et toujours vierge. Si vous voulez, on met YouTube, on tape Marie vierge, toujours vierge, vous allez sur le mollet. Il faut que vous connaissiez. Il y a même les catholiques qui sont dans les milieux, ils ne savent même pas ce qu'on enseigne, même là-bas. Quand tu lui dis ça, il est surpris que c'est ce qu'on enseigne. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. Verset 19. 17 à 19 mois, mes amis. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Prenez donc garde à la misère dont... À la manière, ouais. Ah, mais... Wonderful. La mouche. La mouche qui dit que tu lises misère. On n'écoute pas la mouche, pardon. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a... Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. Et voilà. Plusieurs passages. Voilà le deuxième passage. La mère et les frères de Jésus viennent le trouver. Rentrons dans Marc. Maintenant, dans Marc, on est parti. On va voir exactement là où on le nomme. D'accord. Regarde, juste Bouba bouge son pied, dit que oui. Bref, on va voir maintenant le nom des frères de Jésus. Notez, ouvrez, vous êtes prêts? Marc chapitre 6. Donc, vous devez avoir toutes ces choses par cœur. Que, quand on pose la question, quand vous dites que c'est ici. Là, vous dites ça. Tu as trouvé ça où?
Pour trouver sans chercher, il faut avoir longtemps cherché sans trouver. Tu vois que quand elle cherchait plus, elle a retrouvé. Donc quand tu te calmes, tu sois tranquille. Elle cherchait ça, elle cherchait quoi? Elle a cherché juste à se coller la ville tout le monde. Ce n'est pas sorti. Et c'est comme ça qu'on tue plus, soit tu pleures, tu pleures. Quand tu es calme, Dieu te donne. C'est comme ça. On a patience. Marc chapitre 6. Lisons verset 1. Ce qui nous intéresse, c'est verset 3. Le 1 à 3. Allons-y. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Donc il y a ses disciples qui le suivent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient : d'où lui viennent ces choses ? Oui. Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Oui. Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains ? Oui. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie ? Stop. Donc on a identifié ses parents et même ce qu'il faisait. Parce qu'il est dans sa patrie. On dit par exemple, on pourrait dire que Bouba, n'est-ce pas Bouba c'est qui était ici à cette quartier Nilon, il disait que les gens en Babylone là. c'est lui ici. C'est lui. Tu comprends cela? Quand tu attends que Étodie et Gandhi à New Bell, ceux qui étaient dans la chaison pourraient voir comment ils ont vécu ensemble. Et puis on voit maintenant comment il a dit, mais voici le milliardaire qui était ici, c'est celui, je le connais. Donc imagine un peu ces choses. Maintenant, regardons. Ok. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques? Stop. Le charpentier, on parle de qui? Jésus. Le fils de Marie, on parle de qui? La mère de... Oui, donc c'est où Jésus. Le frère de Jacques. Oui. Donc Jésus et est le frère de Jacques, virgule. De José, virgule. De Jude, virgule. De Simon, virgule. Et ses sœurs. Donc elle a au minimum deux sœurs. Oui. Donc Jésus avait au minimum sept à leur mère. Et ses sœurs ne sont-elles pas. On a dit, et ses sœurs. Oui, ça veut dire il faut qu'on cherche le nom. Il faut qu'on... Oui, au moins deux. Donc, au moins deux. Voilà. Au moins deux. Donc, quand il sait, c'est le minimum le pluriel, c'est deux. Deux. Très bien. On a au moins cité combien de frères? Ne regarde plus, regarde-moi ici. On a cité combien? Non, cite-moi les frères de Jésus. Il y a José, il y a Jules, il y a Jacques. Simon. Bon, je ne sais pas. Donc Jésus avait combien de frères? Quatre. Quatre frères. Oui. Et au minimum? Deux sœurs. Donc si on prend le minimum, il avait combien de frères et sœurs? Six. Six. Donc Jésus, la famille de Marie était constituée du minimum de sept personnes. Et les catholiques venaient faire gober que Joseph l'a épousé, resté comme ça pour raison de cette vie. Tu es la mère de Dieu. Ne touche pas moi. L'être humain, ça, c'est dans la falsification totale des choses. Tu vois, vous prenez la Bible comme ça. Vous lisez, dites, qu'est-ce qui arrive aux gens? Comment quelque chose peut écrire comme ça, être écrit comme ça? Quelqu'un dit, ce n'est pas écrit, c'est pas là. Qu'est-ce qu'il veut faire? C'est écrit dans sa Bible toujours comme ça. Il va lire, il va comprendre comment on a dit la réalité. Je sais que mon nounou, chez nous, nous croyons que Marie restait ou restait, tu es vierge. Il va faire comme Gourou là et tout. Tu vois, il va croire la religion de ses pères sans croire à ce que la parole de Dieu dit. Mais on va dire qu'il prie ces dieux-là. Vous y êtes? Ah, que Dieu ne vienne vraiment en aide. Ouvrez Matthieu chapitre 13. Parce qu'on a parlé de ses sœurs. Il faut qu'on essaie de... On fait des... J'ai dit Matthieu, quoi? 13, voilà. On a parlé de ses soeurs, il faut qu'on essaie d'investiguer pour au moins savoir ses soeurs. Est-ce que quelqu'un peut marier la soeur de Jésus comme ça sans s'en rendre compte? Il n'y en a pas moitié, ils sont pas moitié. Vous y êtes? Lisons les versets 53 à 56. Ou 57 même. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignit dans les synagogues, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient : d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ? N'est-il pas le fils du charpentier ? N'est-ce pas Marie qui est sa mère ? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères ? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? Très bien. Donc, on a encore dit la même chose que nous avons vu dans Marc, chapitre 6, verset quoi là? Verset? Dans l'autre, quand on n'a pas dit Joseph.
On a fait un édifice charpentier. On sait que le charpentier, c'est en référence à Joseph. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'on parle de Joseph en tant que son papa qui est le charpentier. N'est-ce pas? Maintenant, comment? José et Joseph, c'est la même appellation. Parce qu'en hébreu, c'est la même appellation. C'est un peu comme dit Joshua. José, Yeshua, etc. Alors, regardez. Chapitre 15 de Marc. Chapitre 15 de Marc. Marcos. Qui veut connaître le nom de l'homme de Serge Jésus? Vous pensez que vous voulez connaître avant que vous commencez à vous fatiguer là-bas? Qui veut connaître le nom des soeurs de Jésus? Bon, Emmanuel ne veut pas connaître. Dites-moi. Fort. Toi, tu as entendu? Moi, j'ai pas su. Donc, ça n'a pas de force dans son ventre. Vous pensez que Frédéric est là? Hein? Non. Il y a des gens disparus de la circulation ici. Mais comment les gens disparaissent? Ils disparaissent, ils glissent comme ça, là, tu ne sais pas. Marc chapitre 15. Qui va avoir l'amabilité de lire? C'est toi? Hein? Ok. Lis-nous le verset 40. Ben, prends le verset 39, 40 avant de. 40 avant de 41. Allons-y. 39, allons-y. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit: assurément, cet homme était fils de Dieu. Donc on voit clairement que c'était à la croix. Mm-hmm. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie mère de Jacques le mineur et de José et Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Très bien. Chapitre 16, verset 1. Je marque. Mm-hmm. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Ah, vous avez vu le nom? Salomé. Notez. Comment on dit Salomé? C'est pas ça. Salomé. Oui, c'est ça. Oui. Bonjour, j'ai une question, c'est ça. Je veux savoir, Marie de Magdala et Marie, mère de Jacques, c'est la même personne? Non, comment on dit Marie, mère de Marie de Magdala. Marie de la ville de Magdala. D'accord. Marie de la ville de Magdala. D'accord. Mmh. Et Marie, mère de Jacques. De Jacques. Mmh. Donc, c'est deux personnes. C'est... Mmh. Donc, c'est clair. Hein. Disait Marie, mère de Jacques, le mineur, et de José. Mmh. Et voilà. José. Mmh. C'est qui je parle là-bas? Il y a José là. Lis bien, là où il a dit, c'est toi, c'est la même chose. Il a dit, verset 40. Dire, non, tu n'es pas, ou n'es pas au même passage. Ah bon, okay. Rentre au chapitre 15, verset 40. Ok. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, le mineur et de José et Salomé. Mm-hmm. Et lisez encore. Chaque personne doit lire ça. Mm-hmm. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, le mineur, et de José et Salomé. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, le mineur, et de José et Salomé. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques le mineur, et de José, et Salomé. Mmh. C'est toi. Ok. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques le mineur, et de José, et Salomé. Chapitre 16 maintenant. Chapitre 16. Yes. Verset 1, non? On continue? Oui, verset 1. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Mmh. Chapitre 3 de Marc, verset 20 à 21. Vous regardez ce que ses parents pensaient de lui.
Jean, chapitre 3. Ils se rendirent à Barmélie. Attends, que le... Tu sais. C'est bon. Chaque personne lit verset 20 et 21. Ils se rendirent à la maison et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens. Entendez ça? On dit qui? Pour les parents qui connaissaient vraiment d'où est venu cet enfant. Ils ont vu des miracles depuis sa naissance, la conception, mais ils continuent toujours à faire des bêtises. La prochaine suivante, pour faire passer. Ils se rendirent à la maison et la foule s'assembla de nouveau en sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour le saisir, pour se saisir de lui, car il disait, il est hors de sens. Ils se rendirent à la maison et la foule s'assembla de nouveau en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens. Il se rendit à la maison et la foule s'assembla de nouveau en sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent tous se saisir de lui car ils disaient, il est hors de sens. Voilà les gens qui ont suivi le... Continuez, mamie. On sort de ce sujet et puis on aborde l'autre thème. Ils se rendirent à la maison et la foule s'assembla de nouveau en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient qu'il n'a pas de sens. Ils se rendirent à la maison et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient qu'il est hors de sens. Oui, il est fou, non? Très bien. On dit comme ça que Jésus, ce sont ses parents. Imagine que tes parents, toi, eux-mêmes doutent, alors qu'ils ont vu l'ange. Imagine, parce que ça veut dire que les choses qu'ils faisaient étaient extraordinaires. Donc voilà ce qu'il en est par rapport au langage biblique concernant le fait que Marie a eu des enfants et qu'on a vu depuis, en prenant Matthieu chapitre 1, verset 25, que Joseph prit sa femme avec lui, il ne la connaît point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté, son fils. Et donc maintenant, quand la Bible déclare que jusqu'à ce qu'il ne l'a connu, point jusqu'à, ça veut dire qu'il l'a connu après. C'est ce que ça veut dire. Et Genèse chapitre 3. Verset 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Vous avez vu ça? C'est ça dont je parlais. Pourquoi elle est la mère de tous les vivants? Ça veut dire c'est puisque la postérité provient d'eux. Des deux qui? Hein? Adam et Ève. Non, c'est pas Adam et Ève, je pose la question. Je pose la question sur Ève et c'est ce qu'on a dit. On a dit quoi? Elle est la mère de toutes les vivants. Elle est la mère de tous les vivants. Au départ, ils étaient combien là-bas? Deux. Deux. Et elle est la mère de tous les vivants. Pourquoi cette précision? Ça devait être une évidence, non? Oui. Bon, qui est le père de tous les vivants? Joseph. Qui est le père de tous les vivants? On n'a pas parlé d'Adam, non, c'est pas lui. Donc, ça veut dire que, comme la Bible en a parlé, ça suppose qu'il y a un problème. D'accord. Je comprends. Parce qu'ici, on a dit Adam donna à sa femme le nom d'Ève. Car elle a été la mère de tous les vivants. C'est-à-dire, l'accent est plus mis sur la mère. La mère de tous les vivants. Mais pourquoi elle est la mère de tous les vivants? C'est parce que par elle, on a toute la reproduction. Ce qui n'est pas normal. C'est normal, non? S'il y a deux personnes là-bas, et que de ces deux personnes, toute la population sort, on n'a pas besoin de préciser. Ils sont tous deux.
Mais le problème, c'est que on dit que c'est elle qui est la mère de tous les vivants. On ne parle pas du Père. Donc, il y a un problème. Parce qu'il y a un problème. Le problème, c'est que ça veut dire que la femme est un réceptacle, que c'est mauvais, elle reçoit ça dedans. Que c'est un néphilim, elle reçoit seulement. Tu vois, chapitre 2. Toujours Genèse. Oui. Dernier verset du chapitre 2. Lis le dernier verset. Le dernier verset du chapitre 2. Genèse chapitre 2, dernier verset. Dieu bénit le septième jour. Ah, tu as dit quoi? L'homme. Attends, tu as dit chapitre 2, non? De Genèse. C'est pourquoi l'homme? Attends, Louis, montre-moi le premier verset. Non, non, voici le chapitre 2. Montre-moi le premier verset du chapitre 2. Et cela ainsi fut achevé. Oui, le deuxième verset. Tu le troisième verset. Voilà ça. Identifie dans le dernier verset. Mais c'est quoi, hein? Identifie le dernier verset du chapitre 2. Attends, ah, ça. C'est pourquoi? L'homme qui identifie le dernier verset du chapitre 2. Mais ça ici, c'est pourquoi l'homme qui tira. Quand tu vas finir d'identifier le dernier verset, tu vas lire le vrai verset qui est le dernier. D'accord. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Continue. L'homme et sa femme. Ça, c'est quel verset? C'est le dernier, le 25. Donc finalement, le dernier verset du chapitre 2, c'est quel? Le 25. Dis donc que le dernier verset, ce n'est pas le verset 24, dis ça. Mais c'est pas le 24. Donc, là, c'est la pratique. Je vois pas. Tu te dis que je comprends encore cela. Ok, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Très bien. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, ils étaient nus, n'est-ce pas? Et on finit ici. On dit qu'ils étaient tous deux nus, ils n'en avaient point honte. On est en train de vouloir dire quelque chose par rapport à la nudité. Ce sont ces langages-ci que je voulais qu'on comprenne, que quand la Bible dit cela, il y a quelque chose qu'on a de vous dire. Elle enfanta son fils premier-né, elle venait à la majorité, son fils, elle venait le premier-né, son fils premier-né, selon que dit l'Écriture. Si c'est le fils premier-né, il y a un second né, lui un troisième né, au plus. Donc, ça veut dire au moins. Parce que ça veut dire que si... il était le fils unique de Marie. On ne parlerait pas du premier né. Parce qu'un premier est en fonction des autres. Bonjour, Guy, mon père. J'ai dit quoi? Non, je ne suivais pas. Parce que j'étais en train de poser la question. Tu sais, ce qui me troublait, c'est les titres. C'est la ne regarde pas le titre. Tu regardes quand tu as vu deux. Oui. Le prochain chapitre, c'est le 3. Okay. Donc, entre le 2 et le 3, tout ce qui est là-bas, c'est 2. C'est dans le. Ok. Tu comprends? Oui. Les différents. Les différents. Cas, là, j'ai cru que c'était derrière. Non, c'est pas ça. Okay. Les choses là, ce sont les titres pour pouvoir t'aider à savoir que, heureusement, dans ce passage, il y a des choses. Voilà, okay. Donc, tu vois que voici le 2, tu cherches le 3. Voilà. Tu cherches 4. Ici, dessus. Tu vois, 4. Donc, le 3 vient finir jusqu'ici. D'accord. Voilà. Ils le savaient, c'est pour ça qu'ils t'ont laissé partir. Ok. Et tu passes seulement. Tu as senti que c'est ça qui veut. Non, le dernier, vas-y, c'est ici. Le dernier, okay, continue comme ça, tu continues. Alors, c'est compris pour le langage. Mais pourquoi les catholiques cachent la partie? On ne cache, ils ne cachent rien. Tu as ta Bible à la maison, ils t'ont empêché de lire. Non, mais je dis peu. Pourquoi ils disent que. Non, ils disent ce qu'eux, ils pensent. Ils te disent que voici ce que nous pensons. Si tu crois, tu ne crois pas. Donc, le catholique, il faut. Mais les prêtres, quand tu les vois, tu les salues de ma part. Hein. Parce qu'ils disent ce qu'eux, ils croient. Et ce qu'ils croient, c'est ce qu'ils croient. Même s'ils ne croient pas, ils disent quand même. Parce qu'on leur a dit de dire ça. Comme ça ils disent là. Mais tu as ta Bible avec toi. C'est fini de dire ça que Marie a eu des enfants, n'a pas eu des enfants. Tu regardes qu'il y a la Marie et ses enfants ici. Soit tu décides, tu crois ce que la Bible dit, tu crois ce que Dieu dit, tu vas prendre position. Tu crois pour les catholiques, tu commences à ne pas croire pour les catholiques, tu vas voir qu'il y a plusieurs choses que tu ne dois pas croire selon eux. Et tu vas commencer à comprendre que quelque chose avec eux, qu'ils ont un agenda. Donc si tu ne crois pas finalement, tu vas finir par quitter là-bas. Et donc de l'autre côté, si tu crois derrière ce que la Bible déclare, tu vas forcément rejeter. Donc d'un camp comme dans l'autre, tu vas rejeter quelque chose. Si tu crois pour les catholiques, tu vas dire que tu as pris position pour le catholique contre la Bible. Si tu crois pour la Bible, tu as pris quelque chose, position contre l'Église catholique. Et donc en tout lieu, ils ont raison, chacun joue son rôle. Chacun a une position. Très bien. Donc, il ne faut pas trop le reprocher. Pourquoi il ne cache pas? Est-ce qu'il ferme ta Bible? Quand tu sais que quand il vient, il dit, va en paix, mon fils. C'est pas ça? Est-ce qu'il dit qu'il était maudit, mon fils? Il dit, va en paix. Donc, allez, va lire la Bible. Si les catholiques lisent la Bible de la bonne façon, ils sortent de l'église. Si tu lis l'église catholique, tu lis, tu sortes de l'église catholique. Il y a un papa là que j'avais baptisé à aider. Elle était l'adjoint dans une secte des francs-maçons. Le grand maître lui avait dit que mon père, quand il te voit, tu es zélé ici comme ça.
pour que tu réussisses chez nous, il faut que tu lises la Bible. Il allait lire la Bible, ça l'a chassé la formation de lui. Tu comprends? Donc c'est le grand maître qui, pour conseiller son adjoint, qu'il faut, quand je suis là, c'est quand je ne suis pas là, c'est toi qui dois officier. Il dit, quand il te regarde, la façon que tu es zélé dans notre secte ici, pour que tu comprennes bien dans notre secte ici, il faut que tu puisses lire la Bible. Il allait lire la Bible. Il wanda que, mais qu'est-ce qu'il fait dans la secte là-bas? Ça l'a plutôt chassé. Donc ça veut dire que son chef de secte était un évangéliste qui l'a conduit à Christ. Donc si l'église catholique, si les gens de l'église catholique lisent bien la Bible de la bonne façon, ils ne piquent pas comme ça, comme en picorant, comme si c'est le plus que choisir entre le maïs cuit et le maïs non cuit. S'ils lisent la Bible de façon consistante, il va sortir, il va voir clairement qu'il est en danger, là où il se trouve. Tu comprends ça? Oui. Très bien. Des questions? Sur ça là. Quand d'autres. J'ai bien dit quoi? Hein? Des questions. Oui, monsieur. Toujours Adam et Ève sont sortis du jardin. Dès qu'ils sont sortis du jardin, les humains ont commencé à exister. Avant qu'ils ne commencent à sortir du jardin, ils étaient là dedans. Donc, juste sur la terre, ils étaient déjà dispersés par tous les humains. C'est là où ils ont commencé à disperser, non? Il dit que quand on les a fait sortir du jardin, c'est là qu'ils ont commencé à se multiplier au de là-bas. Que nous sommes quoi? Israélites. Adam était un Israélite. Israël vient de qui? Voilà Israël. Israël, voilà Jacob là-bas. Demande-lui. Donc, ce ne sont pas les Israélites qui sont sortis du jardin. Il y a Adam, il y a Abraham, il y a ceci, il y a ceci. Après, Abraham, Isaac, engendré Jacob. Jacob engendré maintenant les Israélites. D'accord, c'est Jacob. Les Israélites viennent de Jacob, pas de Adam, depuis le jardin. Donc, Adam n'était pas un Hébreu. Et le Cameroun, c'était vide. Comment? Le Cameroun était vide. Ça, c'est clair que c'était vide. C'est pas seulement le Cameroun qui était vide. Même comme les gens venaient croire que le paradis était à Yaoundé là. L'autre a dit que c'était sur la montagne là-bas, au Congo, au Kikongo. C'était là-bas le paradis. Laisse-moi comme ça, laisse les gens comme ça. Autre question, on voit celle-ci comme ça là. On sent qu'elle est fatiguée, même quand elle veut résister. Non. Est-ce que vous voyez, vous avez l'intérêt, vous avez besoin vraiment de l'eau vraiment? Vous pensez que vous avez vraiment besoin de l'eau? Je n'ai pas beaucoup bu aujourd'hui. C'est nécessaire. C'est la question là, c'est la question qui est posée. Je vais faire la politique. Oui. Il met encore la clim. Vous avez chaud, c'est moi qui vous suivez votre truc là-bas. Il met, vous dit qu'il fait froid. Après, vous enlève, vous causez chaud. Ce ne sont pas les mêmes personnes, il faut les identifier. On fait comment? Il met une partie, il envoie la clim à une personne, il envoie la chaleur à une autre personne. Il fait comment? Tu veux la clim? Ouais. Tu veux la clim? Tu veux la clim? Moi, tu veux la clim? Arrangez-vous alors. Non, il faut être assidu. Donc tu veux? Donc tu te sacrifies pour toi, pour elle? Non. Écoutez, ici, il y a quelque chose qui est intéressant. Le monsieur, lui, il a chaud, la dame a froid. J'ai dit que tu veux la clim? Elle dit oui, tu veux la clim? Il dit non. Il dit non, ok. Elle dit non. Elle dit que non, je ne veux pas la clim. Tandis que lui veut, il dit qu'on fait comment? Il dit que le chef de famille, il prend la décision. Je lui dis, tu as applaudi quoi? Tu as applaudi quoi? Je lui dis maintenant que la Bible dit qu'on se sacrifie pour sa femme, il ne se sacrifie pas, il dit non, pas pour aujourd'hui. Il veut quand même prendre la clim d'abord, quand même. Qu'elle reste dans sa chaleur là. Ouais, qu'elle. On n'applaudit pas. Voilà, tu vois que je voulais applaudir, c'est ce que tu n'as pas bien saisi. Prenons la question là-bas derrière, oui. Daniel chapitre 12. Non, pose la question. Okay. Le verset 4. Il dit, Daniel, tiens secret cette chose, ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Ma question, c'est en fait, comme il dit que plusieurs le liront et la connaissance augmentera au temps de la fin, pourquoi et comment ça se fait que, donc, au temps de la fin, plusieurs personnes le lisent, mais la connaissance augmente, mais en fait, c'est divers, c'est dans plusieurs sens. C'est toi, viens te tenir, si tu parles de tout ça, c'est intéressant ta question. Pour une fois, tu as posé une bonne question intéressante. Viens ici à côté de moi.
Je vais poser face à la question. Oui. Tu vois, il est souvent hors ça. Oui, prends ta chaise, tu mets ici, tu vas nous parler de ça bien. Baisse de ce palais, c'est qu'il te regarde bien. Il y a des gens qui se cadrent. Tu es en train de parler à quelqu'un, je regarde, il fait comme ça là. Très fort. On te guette. C'est sans de dormir, l'autre sans de. Fais tout, tu te montres qu'il est. Et quand tu te rends compte qu'il est en train de dormir, c'est quand son, ton œil, son truc noir là, en train de se balader pour aller de ce côté là-bas. Tu vois que la personne dort. Alors, pose ta question, tu dis. Dans le livre de Daniel, chapitre 4, chapitre 12, à partir du verset 4, il dit: toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et c'est le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Ma condition, c'est puisque nous sommes dans le temps de la fin, pourquoi et comment ça se fait que plusieurs lisent ce livre et donc la connaissance qui, au lieu de converger, augmente, enfin, au lieu de converger, donc, et ça diverse dans plusieurs sens. Très bien, bonne question. Sauf que le verset suivant répond à la question. Et moi, Daniel, je regardais, voici, deux autres hommes se tenaient devant debout, et l'un en dessous du bord du fleuve, mm-hmm. L'autre au-delà du bord. Lis l'endroit où il est écrit que aucun des méchants ne comprendra. Ils apprendront toujours dans l'impiété. Allons-y. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Les méchants feront le mal. Non, c'est pas éprouvé qui écrit là-bas. Ouais. Épuré. Ou bien. Éprouvé. Épuré. Mais c'est quand même terrible. Plusieurs seront purifiés et blanchis et éprouvés. Épurés. Non. Il veut y aller dans l'avion. Je veux juste éprouvé. C'est, bon, hein. C'est épuré. Parce que quand tu regardes épuré, quand on prend l'or, n'est-ce pas, hein, on met dans le feu, dans la fournaise. Plus on chauffe l'or, plus ça épure, ça nettoie, ça purifie de l'impurité. Mm-hmm. Et Dieu dit qu'il va faire, il dit plusieurs seront comme ça là. Je suis désolé pour ton épuré, éprouvé là. Tu peux écrire la vraie vie, non, corrige. Écris au-dessus. C'est parce que vous, chaque fois, sortez chaque fois pour aller dormir. C'est ça le problème. Non. Vous remarquez que lui, il a disparu de la circulation tout à l'heure. Lui, il a disparu de la circulation maintenant là. C'est la 10e seconde. Seconde là, comme ça, mais, il fait les choses. Il a épuré. E-P-U-R-E-S. Ah, c'est pour ça. Il faut prendre le 1110. Tu vois, 1079, on est plus proche. On a encore. Ils ont dit épuré est trop fort. On y va. Oui. Mais parle maintenant dans le deuxième volet, va parler de la méchanceté des méchants. Ah, c'est 1910, ne t'inquiète pas. Mais on a la même, c'est qui? Non, on n'a pas la même. Ah, 79. Ne fuis parce qu'elle dit, elle n'a pas dormi chaque fois, elle fuit, c'est ça. C'est épuré. Parce que c'est l'or. On doit passer par des fournaises pour que ça ne soit pas éprouvé. C'est pas ça. Ça n'a même pas de sens. Ça n'a pas de sens. Si tu mets éprouvé, ça n'a pas de sens. Épuré, ça dit qu'on a des purifiés pour que ce soit blanchi. Donc c'est l'image de l'or, des métaux qu'on prend dans la boue et qu'il faut ôter les impuretés. D'accord? Très bien. Lisons. On était au 10 là, la merci. Mm-hmm. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Stouline ne comprendra. Tu vois cela? Tu n'as pas de bic. Ils t'attendent toujours pour péter le bic. Péter le bic. Donc il est en train de poser la question. Voici la question qu'il pose. D'après le verset 4. Il est dit que le livre soit scellé pour que ça s'ouvre, le déclenchement de la compréhension s'ouvre à la fin des temps et que les gens lisent et que la connaissance s'accroisse. Il pose la question, pourquoi donc ce livre-ci, nous sommes à la fin des temps, bon, il n'a pas posé la question, le questionnement de la fin des temps, que nous sommes vers ce point-là, pourquoi on lit aujourd'hui, parce que dans sa parole, il a dit que nous sommes à la fin des temps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, parce que le contexte de ce verset-ci dit que c'est à la fin des temps que ça va s'ouvrir et que la connaissance va s'augmenter. Ce n'est pas ce qui est écrit. C'est ça. Sauf que ce n'est pas la seule prophétie de la fin des temps. Quand vous voulez prendre une considération par rapport à une prophétie concernant une période, il faut vérifier tous les autres contours. D'accord? Prenons l'une de ces prophéties-là, ouvrons 2 Pierre chapitre 2. Comme nous avons travaillé sur ça, c'était hier. 2 Pierre chapitre 2. N'ouvrez pas, je vais citer. Il y a eu parmi le peuple des. Il y aura parmi vous qui introduiront
des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attirent sur une lune. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Celle, cette parole, ça sera révélé à la fin pour que les gens comprennent la vérité. Mais la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Donc, c'est-à-dire que ces prophéties ne souffrent d'aucune contestation. Sauf qu'il y a une autre prophétie qui vient de dire qu'il y aura quelqu'un qui va venir semer la confusion. Mais maintenant, ce qui te prend maintenant en contre-pied, c'est que le standard, ce n'est pas à nous de savoir si la connaissance est augmentée ou pas. C'est du standard de Dieu. C'est Dieu qui se connaît quel est le niveau de connaissance qui a augmenté, comment ça en est de croître. Tu comprends cela, hein? Mais d'après nous, on peut regarder comme ça, on dit, hey, est-ce que la connaissance, est-ce que les gens se comprennent la parole de Dieu? C'est Dieu qui connaît la joie, il connaît également la fixation par rapport à le niveau de connaissance qui sera révélé en ce moment-là et qui l'aura. Il dit que plusieurs, la connaissance augmentera quand les gens vont lire, vont comprendre, et plusieurs, donc la connaissance va être multipliée. Toi, tu dis maintenant que, en fait, je le comprends, c'est parce qu'il y a tellement de faux maintenant. Mais le problème, c'est que le faux devait être mixé au milieu. D'accord? Et Jean dit, on a vu ça également hier, 1 Jean chapitre 2, dit, verset 18, dit que mes petits enfants, c'est la dernière heure pour placer avec Daniel. Il dit, et comme vous avez appris qu'il y a un antéchrist, il y a maintenant plusieurs antéchrists, parce que là, nous savons que c'est la dernière heure. Il dit qu'ils sont sortis du milieu de nous. Voilà, c'est compris? Très bien. Donc, ça dit que le verset est en plein là-dedans. Les gens sont en train de lire, comprendre, la vérité est en train d'augmenter. Mais sauf que d'après les Écritures, le faux est toujours plus supérieur en grand nombre que le vrai. C'est la relation, c'est la réalité des Écritures là-bas. Tu as des bonnes questions encore, hein? Ou bien je te pose une... Hein? Je peux te poser une question, hein? Ok, verset 3, lis le verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Ça, c'est l'un des versets que j'aime dans la Bible jusqu'à ce moment. Bon, tu as vu la récompense de ceux qui enseignent la parole? Tu as vu ça? Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Voilà notre récompense. Ah, oui. C'est pour ça qu'il faut enseigner la vérité aux gens. Et Jésus a redit ces passages en disant que celui qui observe ces paroles et enseigne à celui-là, à d'autres à observer la même chose, sera appelé le plus grand dans les cieux. Okay. Tu vois ça, hein? Très bien. Faites tout et tout. C'est pour ça que dans ma vie, j'ai décidé de dire la vérité de la parole. En tout cas, je suis obligé de le faire. Comment tu vas faire pour dire quelque chose qui va te coincer? Il faut dire la vérité parce qu'il y a une récompense, même si quelqu'un ne t'aime pas. Si les gens descendent, ne m'aime pas, Jésus m'aime. Si même ou même pas, Jésus m'aime. Si même ou même pas, mon Dieu m'aime. Tu comprends ça? Si même ou même pas, Jésus m'aime. Donc, qu'est-ce que c'est? Dis la vérité, même si les gens veulent qu'ils ne veulent pas, que c'est quand même la vérité. Quand Jésus disait que mon père et moi, nous sommes un, c'était la vérité ou c'est un mensonge? Ça a fâché les gens, ça a changé la vérité. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Tu as suivi, non? Il dit qu'il a suivi, alors que je lui ai demandé qu'il lit le chapitre 3, le verset 3, je lui posais des questions, il m'a posé des questions. Mais il dit, tu as suivi, il a dit oui. Je connais mes gens ici à l'intérieur. Et quoi, peut-être que j'ai oublié que je lui posais la question. Il dit, tu as suivi. Donc, quand il a fini de lire, j'ai commencé, dis mes choses. Il lui a dit que tu as suivi, non? Il a dit oui. Pourtant, il lui a dit que lit, ça te pose une question. Ouais, des questions. Il fait tout et tout pour se débarrasser de moi, qu'on arrête l'enseignement. Que passons vite. J'ai une question. Voilà. Pose une question. Dans le psaume chapitre. C'est vrai que quand ils sont à un endroit, ils disent toujours qu'ils posent des questions. Chacun cherche pour eux. Quelqu'un cherche comme ça des questions qu'il pense que tu veux voir comment il va répondre à ces questions-ci. Si vous pouvez voir au-delà de la chair, voir qui est là. On ne posait pas n'importe quelle question. Et on dira, ok. Donc c'est comme ça que les gens s'y fonctionnent. Lui, le frère, je ne nous mais là, c'est si dehors. Alors, des questions? Psaume 90. Merci. Psaume 90. Timide, c'est parce que même toi, tu parles doucement. Comme ça qu'il parle. Ceux de la Belgique parlent tout doucement. En Belgique, on ne crie pas trop. En France, il y a la tension, ce qui fait que les gens crient contre Emmanuel Macron. les gens de la France ont l'habitude de crier, faut pas vrai. C'est ça. Macron, dégage! Macron, dégage! Ok, le monde ici est. Souvenez-vous, ne vous fixez pas sur le monde. Vous suivez sur le monde. Vous allez avoir la crise cardiaque. L'injustice dans le monde s'écria. Et là, vous regardez Jésus.
Jésus crucifié et Jésus ressuscité, vous comprenez que tout ce qui se passe ici, il y a un temps. Psaume 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Donc, ma question est sur deux volets. C'est comment apprendre à bien compter ses jours et comment faire pour pouvoir appliquer son temps. La personne a dit que Dieu lui enseigne. C'est Dieu qui doit enseigner. Mais qu'est-ce qu'il disait à qui ici? qui parle déjà? C'est Moïse. C'est le psaume de qui? Ah, c'est le psaume de qui? C'est une prière de Moïse. C'est la prière de Moïse, non? Oui. Parce que là-bas, il va dire que le plus vigoureux meurt à quel âge? 70. Là, c'est 70 de tous les Belgiques, là. Il a dit, c'est écrit quoi là-bas? C'est pas écrit là-bas, hein? Attends, tu as lu sur le psaume 90, là, la prière, là, tu as fait comment? Les jours de nous allaient s'élèver à 70. C'est pas écrit là-dedans, hein? C'est écrit où? Verset 10. Alors, comment tu as dit que c'est pas écrit là-dedans? Lis alors. Les jours de nos. Tu lis, tu prends un son, tu poses une question, il te dit que dans ce son-là, c'est écrit telle chose là-dedans. Il a dit telle chose là-dedans par rapport à la durée de vie. Et il dit, et le plus vigoureux, c'est combien? 80. Parle fort, non? C'est le verset 10. C'est dans le même verset. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80. C'est pas ce qu'ils demandaient. Donc, l'autre si c'est comme ça, le maximum c'est 80 ans. Qui en est de prier? Moïse. Qui en est de prier? Moïse. Il est mort à quel âge? 100. Je ne connais pas. Il est mort à quel âge? Applaudis pour lui alors. Applaudis fort. Dis Josué, tu vas m'enseigner. Il ne me met rien. Dis-lui alors. Il fait comment? Il a le Saint-Esprit. Et il ne connaît pas comment? Ah, quel enseignement. Bon. Donc la personne qui en est intéressée pour prier là, c'est parce qu'il en voit que le temps de la durée de vie sur la terre en train de décroître. Il est mort à l'âge limite qu'on a fixé à la Genèse. Où est-ce là? Mais il a dit de voir, il voit que ça va aller décroissante. Tu vois? Il prie donc, il intercède que cela se passe. Il enseigne à comprendre nos sagesses. Souvenez-vous que ce ne sont pas des prières seulement, ce sont des prophéties, ce sont des enseignements. D'accord? Quand il dit enseigne-nous à bien compter nos jours, il n'est pas dit que tu comptes comme cela. Je dis qu'il veut vivre comment, il veut vivre comment. C'est de savoir comment nous sommes fragiles pour vivre selon la sagesse. C'est ce qu'il en a dit. C'est pas pour dire qu'il compte nos jours. J'ai dit à quel âge? Il a 20 ans, il a 21 ans. Il a dû la montrer que Seigneur enseigne à bien compter nos jours afin que nous soyons conscients. Il veut dire que regarde que nos jours sont éphémères pour que nous appliquons à la sagesse, à ce qui est important, à ce qui est salutaire. Tu comprends? Tu as vu ce qu'il a pour là, il a posé la question. Livre. Vas-y, il demande le livre à parler dans sa gorge. Attends, c'est que j'ai appris. Donc, t'as vu, tu étais là comme ça, tu savais pas. Et il parle, tu bouges la tête comme ça là. Là, c'est complètement la situation. Il dit qu'il ne comprend pas sa situation. Donc, quand il parle, donc, il le reprocher, il le reprocher. Toi, tu bouges la tête. Et toi-même, tu n'es pas là. Donc, ça veut dire tout ce qu'on a parlé là, tu ne sais même pas où on a entendu le livre. Non, moi, j'ai compris. Vous étiez en train de parler de la durée de vie. Oui, lui, la personne était dans quel verset. Il a lu quelque chose, il a posé la question là-dessus. C'est pour ça qu'ils allaient dans cette durée de vie pour montrer qu'il est en train de montrer, parler de la décroissance, maintenant la diminution des durées de vie. Des gens. Et il est en train de dire donc, fais à ce que les hommes qui sont sur la terre puissent comprendre l'essentiel, qu'ils sont éphémères, qu'ils vont passer rapidement. Et qu'ils s'appliquent à ce que la durée de vie qui leur est destinée, ils s'appliquent à la sagesse, à la crainte de Dieu. Oui, oui. C'est ce qu'il est en train de prier. Pas, oui, donc il dit donc, il a posé la question là, c'est où? Lui. Donc il repose la question, vraiment. Donc, que si on a fini, vous devez être infirmé la Bible, alors qu'il a dit c'est bon débarras. Il va comprendre une réponse à une question qu'il n'a pas compris. Oui, il répond à la question. Tu vois que quand tu parles doucement, il fait que les gens ne comprennent pas. Pose-moi la question. Donc, j'ai lu le psaume 90, verset 12, en disant que. Non, laisse-nous lire le verset 12. Lis le verset 12 alors. Ok. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Voilà, c'est ça. C'était tout ça. Ouais.
Laisse-le, laisse-le. Je suis ici, tu les réponses ici, laisse l'enseigne là. Bon, voilà la question. Bon, si tu lis ça, il a déposé la question que. Pourquoi non, pas pourquoi. La question c'est maintenant que comment faire pour bien compter ses jours. Donc, comme une femme, quand elle compte ses calendriers, ses règles-là, son cycle-là, il veut compter lui comme ça. Oui, le calendrier pour compter quand il va mourir, quand il va vieillir, quand il va se marier. Et donc, je suis en train de lui répondre. Qu'est-ce la réponse que lui donnait par déjà? Tu es rentré pour expliquer la longévité. Oui. Oui. Et tu as posé la question de savoir quelle était la durée de vie de monsieur, de Moïse. Oui, ils ont répondu quoi? 120 ans. Tu étais vigilant. Oui, continue. Et on est ressorti donc à sa question. Parce que la question était de savoir comment faire pour combien compter ses jours. Oui, oui. Et quelle réponse qui est donnée, c'est que la Bible en train d'appeler. Là, jusque-là, nous sommes encore dans le contexte du langage biblique. Qu'est-ce que la Bible en train de dire? Voici ce que la Bible en train de dire. Si vous voulez que lui donne l'enseignement sur comment faire pour compter ses jours. Donc, je lui ai donné quelle réponse. Il faut se lier non, je ne suis pas te demander comment faire pour compter. Je lui ai dit que quelle est la réponse que j'ai donnée à cette question qu'il a posée. En tout cas, je ne l'ai pas suivi. Bon, dis-lui donc la réponse que j'ai dit à ta réponse. Lui va oublier. Lui va le propriétaire oublier. Est-ce que non, il a dû réfléchir. Donne-moi la réponse. C'est du tic. Tac. Tu as la réponse, non? Tu as eu la réponse. Il a dit que la Bible ne dit pas forcément qu'il faut. Non. Parle un peu fort. Il dit quoi? J'ai pas bien suivi. Parle un peu fort. Tu as dit quoi? Parle un peu fort. J'ai pas compris. Tu n'as pas suivi ta réponse. Si, j'ai suivi. Pourquoi alors? On a l'impression. On a l'impression. Nous sommes déjà là. Donne la réponse que j'ai donnée concernant ta question, va. Il a dit que c'est une manière de pouvoir prier. C'est pas compter ses jours 1, 2, 3, 4, mais de pouvoir. C'est une façon de pouvoir vivre selon la parole de Dieu. Bon, ça va te faire du bien. Pas que ce que tu comprends. Dis ce que j'ai dit. Pas ce que tu comprends. Ce que tu comprends, c'est que je vais compter 1, 2, 3. Bois d'abord. De résumé, tu peux nous dire ce qu'on a dit. Ce qu'on a dit concernant cela. On dit quoi? Suis. Suis bien. Bois en suivant. Tu as dit qu'en réalité, ce qu'on doit comprendre, c'est ce que la Bible en train de dire, c'est que il faut qu'on réalise combien c'est fragile, combien notre vie. Déjà, ne nous appartient pas. Donc, on doit s'appeler à vivre selon la sagesse de Dieu. Tu as entendu? C'est ce que j'ai dit. Parce que Moïse en a dit, il a réalisé que la décadence, il y a la décadence, la dégringolade au niveau de la durée de vie sur la terre. Donc, les hommes disparaissent rapidement. Tu vois cela? C'est ce que vous lisez, le contexte, vous lisez dans ces 90 là, c'est ce qu'il a dit. Et donc, il veut dire à l'homme que donne-nous de comprendre. Tu entends quelqu'un se lève sur la terre et pas les Camerounais, tu entends, tu bois, tu meurs. Tu ne bois pas, tu meurs. Mieux tu bois, tu mourras. Tu vois? Ah, vous voulez. Ayayi, Amayan. Tomaraï, Amayan. Jutayara, Amayan. Ah, vraiment, que Dieu nous vienne en aide. Et quand ils font ça en buvant le fofo. Le fofo, il y a un truc là, tchiki, blibli. Quand ils boivent, ils bavent, après ils vont bagarrer. Tu as remarqué que les gens, les fofo, les noms là, quand ils boivent, après un temps, ils bagarrent jusqu'à ce que le sang coule. Pourquoi? Et après, pas là. C'est comme une tradition. Un jeu. Ils bagarrent jusqu'à ce que tu le vois en train de bagarrer, tout le monde bagarre. Oui, c'est la mesure. C'est comme. Tu peux dire. C'est un sport. Bon, ils sont possédés. Mais c'est sataniste. Alors, donc, ici, donc, Dieu va nous faire montrer donc, que la durée de vie des gens est éphémère. L'homme passe, comme dans une autre partie de la Bible, il dit que l'homme est comme l'herbe qui pousse et qui, avec la chaleur du jour, sèche et tombe. Et sa gloire qu'il y avait, c'est disparu. Tu regardes le lieu ne le reconnaît plus. Ça va, non? Les questions? Il prie que les questions ne viennent plus de lui. C'est pourquoi c'est compliqué. Parce que la question pour que ça soit dit, pour qu'il comprenne, il y a un problème. Là, il dit pour que lui comprenne, il me répète, il y a un problème. Peut-être c'est parce qu'il veut seulement partir, sa tête dans l'avion. Non, ce n'est pas ça. Si pendant qu'on a du problème, tu te tournes comme ça, tu vois qu'il est 5 heures, tu fais comment? Des questions? Si il donne une petite question, on lui donne? Non, question c'est question. Non, il a dit qu'une petite question. Donc, on lui donne? Petite réponse. Petite réponse.
Alors, Genèse chapitre 15. Genèse 15. Moi, je... On dit Genèse 15. Mm-hmm. Moi, je vous soulève sur sa question. Hein. Ok, ok. Accroche-toi à ses lèvres, au sens propre, d'accord. Non, vous figurez. Lis alors ta question. Regardez, les vieux, c'est assez souffleuse. Allons-y. Lis alors, Genèse 15, verset 12. On dit au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande. Et la voix venir avec la question. Il la voit venir. Voilà. L'obscurité, la grande obscurité qui est tombée sur Abraham. Mm-hmm. En fait, ça a quel sens en fait c'est quoi ça? Tu as vu ça? Mm-hmm. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. C'est pas là-bas? C'est là-bas? Oui. Mais pourquoi il y a rien? Voilà, c'est parce que c'est finalement, Oui, il va sortir. Il va sortir dehors. Il veut qu'elle sorte dehors, non? Dehors, une fois. Alors, d'autres questions? La question, c'était quoi? Non, laisse. D'autres questions? Elle sait pourquoi elle pose la question. Elle veut seulement qu'on creuse la profondeur. Et elle sait que si on creuse là-bas, on va encore donner le sommet aux gens ici. Là. Mais non. Poser des questions. Ce sera intéressant. Tu as des questions? Je réfléchis. Oui, tes questions, tu as des questions, mon type? Frère Josué. Quand Dieu a détruit la tour de Babel, qui les a transportés pour partir dans différents pays? Ils n'ont pas de pieds. Dommage. On dit qu'elle est dispersée. Quand on est dispersée, ça veut dire quoi? Quand la foule est rassemblée quelque part pour gréver, on envoie le même Ouattara. C'est pour qu'il fasse quoi? Quand le même Ouattara, le porte dans sa voiture pour aller déposer là-bas. Des questions? Oui. Par rapport à ce que tu as dit hier à la route là-bas. Oui. Tu as dit que dans le mariage, il faut que chacun prenne sa place. Oui. L'homme prend sa place et la femme prend sa place. Oui. À quel moment la femme empiète sur la place de l'homme? Non. Quand il parle de prendre sa place, on dit que tu dis ce que tu fais, ce que la Bible dit que tu dois faire. Regarde, quand vous allez dans un bureau, on va prendre un métier, choisir un métier, on commence. Le médecin. Quand vous prenez le médecin, vous allez dans un hôpital. C'est bloc après bloc, donc département après département. Allons, on a pris le travail des médecins, ça c'est le corps, comme on appelle comme ça. Maintenant, allez dans une spécialité bien précise. Allons-y. Chirurgien. Chez le chirurgien. Quand tu entends chirurgien, le chirurgien c'est celui qu'on voit à l'acte. Mais là, les assistants. Il y a les gens qui reçoivent, les secrétaires médicales, qui doivent être formés dans le langage médical. Pour que les diagnostics soient faits, quoi que ce soit, sont faits pour énoncer ou quoi que ce soit, ils puissent faire le diagnostic, faire les préparations et autres. Il y a ceux qui préparent la salle pour le bloc, pour l'opération. Il y a parmi eux, aux chirurgiens associés nécessairement ceux qui font l'anesthésiste. Où est que le chirurgien peut connaître ce que soit qu'on appelle, il peut avoir les renseignements sur l'anesthésie, mais celui qui est anesthésiste a fait la spécialisation dans ce domaine. Pour comprendre bien ce qui se trouve dans cet appareil-ci, il a besoin de quelqu'un qui a fait dans la radiographie ou la radiologie. Il va t'envoyer là-bas, qui va faire la radio, tu viens m'amener. Quand il donne la radio, il essaie de voir pour interpréter ce que ça veut dire. Pas qu'il ne peut pas faire la radio, mais si il y a quelqu'un qui est spécialisé dans ce domaine-là. Tu vois qu'il se trouve ici, il attend seulement que toi qui as le tumeur à l'intérieur de cette douleur, pour qu'il sache ce qu'il en est, parce qu'il te pose des questions. Les questions qu'il pose, ce sont les investigations. Il est en train d'investiguer pour savoir qu'est-ce que ça peut être. Quand tu parles, au fur et à mesure, quand tu en es de parler, tu en es déployé. Est-ce que c'est mal si ça a commencé quand? Qu'est-ce qui a causé? Tu es tombé? Il regarde, si c'est la chute, il sait que non, ça peut être un os qui est cassé à l'intérieur, que peut-être il y a peut-être l'hémorragie interne. Peut-être il va faire une suture là-bas pour redresser l'os. Tu vois? Il regarde que non, ici, il n'y a pas eu de fracture à l'intérieur, donc il n'y a pas eu de choc. Donc, ça peut être encore quelque chose. Peut-être un tumeur qui a essayé de développer à l'intérieur. Bon. Si après ces investigations, il n'est pas toujours sûr pour faire l'opération, il va faire la radio. Dans cette question que j'ai, dans cet exemple que j'ai pris, tu as remarqué que chacune personne a sa place. Tu peux citer les différentes places et les différentes personnes. Tu peux me citer les différentes places que j'ai nommées et les différentes personnes qui l'effectuent. L'anesthésiste. Un. Radio. Deux. Trois. Quatre. Les assistants, 5, les 6. On a 6 personnes.
Bon, supposons que tu viennes maintenant, le jour où tu trouves le, la secrétaire médicale qui se prend. Il dit, madame, la chirurgienne n'est pas là, couche-toi sur la table. Il prend le bistouri, comme ça. Donc, tu vas accepter. Vous voyez que quelque chose ne va pas. Elle a impliqué sur son territoire. Donc, quand, regarde bien, maintenant, te voici, maintenant qu'il vient encore à l'hôpital, si un être humain vient à l'hôpital, où est-ce que ça te dit là maintenant? Il dit, fais attention à ce que tu veux dire, l'exemple. Parce que si tu prends ce disant, il dit ça, quelque chose va venir dans ton, tu vas à l'hôpital. C'est pour ça qu'il m'a demandé de changer. Il dit, si quelqu'un vient à l'hôpital, tu vois ça? Et ça se passe là maintenant. Et donc, si quelqu'un vient à l'hôpital, il vient trouver donc un secrétaire. Quand le secrétaire dit, il dit, venez voir le docteur Jean Delabonnet. Il dit que Jean Delabonnet, il n'est pas là. Il dit, je suis madame Tel, j'ai pris rendez-vous. Oh, désolé, il est allé en France pour deux jours, un séminaire de façon inopinée. C'est vrai que vous avez rendez-vous aujourd'hui, mais il ne peut pas être là aujourd'hui. Il te dit ce qui se passe et reste tranquille. Voilà sa limite. Même si elle dit que, ouais, madame, je veux faire comment? Vous avez deux alternatives. Ou bien vous allez en France le retrouver. Ou bien vous attendez et il revient. Vous comprenez? Parce que vous demandez que, j'ai dit, l'homme et la femme, si chacun fait ce qui est de son devoir, tout va bien marcher. Où est-ce que ça limite? Et ainsi de suite. Celui-ci, la secrétaire, fait ce qui est assigné. Ce qu'on appelle, quand même quelqu'un a une tâche, on donne ce qu'on appelle, comment? Le cahier des charges. Donc voici, tu fais ça, tu te limites là. Parce que tu pars au-delà, il y a des conséquences, tu dois devoir rendre compte. Vous ne faites pas ce que vous êtes en train de faire. C'est pour ça qu'on dit par exemple que celui-ci a failli à ses devoirs. Quand vous êtes urgentiste, on dit quand quelqu'un arrive, voici les premières choses que vous allez prendre. Vous allez prendre la température et autres. Vous prenez quelqu'un qui vient comme ça, vroom, en urgence, vroom. On dit, vous mettez le glucose. En temps, la personne est diabétique. Vous allez mettre le diabète encore dans son sang, peut-être c'était l'hypoglycémie, vous le tuez. Après, quand on fait le diabète, on dit qu'il est mort à telle heure exactement. Avant, là, son pouls était comme ça, là. Ce taux de glucose était comme ça, là. On dit que c'est le médicament qu'on a pris à l'intérieur qui l'a tué. Alors qu'en prenant les premiers paramètres, on va dire que non, la personne va dire non, mettez-lui l'eau, mettez-lui dans son corps, calmez-vous, mon rôle c'est ceci. Voici ce qu'on m'a enseigné à l'école. Quelqu'un vient connaître de son statut, son taux de sucre dans le sang. Avec ça, on pourra faire. Quand le médecin vient pour le faire, il prend et dit que l'urgentiste qu'elle a reçu, c'est un tel. C'est à telle heure qu'elle est entrée. C'est pas ça, madame? C'est à telle heure qu'elle est entrée. À cet instant, qu'elle est entrée, voici le paramètre. Il est entré, il avait tel nombre de degrés. Peut-être, si on peut le peser, il pesait tel kilo. Et voici la situation. Il fait le rapport et signe là-bas. À partir de là, celui-là parle maintenant. Prend maintenant le médecin qui va le consulter. Prend ça comme diagnostic pour voir comment ça a évolué. Et savoir maintenant comment prescrire. S'il faut interner pour longtemps, se mettre sur observation. C'est ce qui se passe normalement. Maintenant, supposons que quelqu'un vient maintenant, comme les gens connaissent tout maintenant, quelqu'un vient et dit que non, ma soeur, je l'ai amené, toi, ils ont dit, mets-lui l'eau, vivus, le palais dans son sang, ça va le tuer. Tu mets l'eau parce que quelqu'un a dit, tu étais sur influence, quelqu'un a mis l'eau. Donc, c'est vrai que c'est un néophyte qui va t'enseigner ce que tu vas faire dans ton travail. Quelqu'un qui se respecte fait son travail, dit, madame, je ne le ferai pas ce que vous faites. Si vous ne voulez pas, rentrez chez vous, allez faire ça vous-même. Et vous prenez l'engagement. Quand vous faites ça, si pas il meurt, dites que tel est venu, s'il a dit comme ça, j'ai refusé, c'est pour ça qu'ils sont partis. Tu seras bien. Mais maintenant, si tu prends. Tu mets le comme il a dit. Quand ça va mourir, on va dire que c'est toi qui l'as tué. Hein? Et il ne dira pas que c'est lui que tu as mis le dire que. Parce que même si tu dis que c'est lui tué, même si tu es devant le juge, on va dire que ben, cette personne, s'est fait médecine, tu dis non. Toi, tu as fait médecine, tu dis oui. Qu'est-ce que ton catégorie, on dit dans ton cours que tu es censé faire quoi dans cette situation? Vous comprenez? Vous remarquez quelqu'un qui fait le. Quand quelqu'un voyage dans l'avion et qu'il est médecin, tout ce qui est dans l'avion, si on est dans l'avion qui se prend être malade, sont à sa charge automatiquement. Automatiquement. Et donc maintenant, vous voyez que vous êtes en train de voyager, quelqu'un fait l'accident, boum, boum, il est cassé. C'est que dans la société africaine et beaucoup de tout le monde est élément de secours et sont secouristes sans avoir fait au préalable les premiers gestes de secours. Vous venez voir comment quelqu'un a fait l'accident, boum, un fer est entré ici comme ça dans sa poitrine, ça sort ici. On dit, wow, il va mourir. Aidez-le, quelqu'un arrête le fer ici. Ici, le fer sort, boum, l'hémorragie interne. Alors que si c'est quelqu'un qui a fait le premier secours, il va dire, prenez, je vais couper le fer. On coupe le fer de ce côté. On coupe là pour retirer. On le retire avec le fer. Que le fer reste dans son corps. Pour que quand le spécialiste, le jour qu'on va enlever, on sait comment on va enlever, on sait comment on va. Dès qu'on enlève, on arrête que le sang ne coule dans son corps. Mais il appelle, on enlève son pouf. Il dit que ouais, on l'a mis sur le bras. Portez-le, on porte. Son pied comme ça là. On porte que arrête là-bas. Ouais, arrête, on dit crache dans ton corps. Crac, on dit retire son pied. Vous remarquez que la majorité des personnes qui mettent dans les lieux d'accident quand il réussit, ce sont les gens qui viennent faire le secours qui tuent. Alors que normalement, quand on trouve quelqu'un dans le lieu de secours de l'accident, vous remarquez que la première chose, il faut parler à la personne pour attirer la personne, pour que la personne reste consciente. Vous pouvez m'entendre, il y a quelqu'un qui m'entend, vous regardez ceux qui sont encore conscients. On les maintient dans cet état de conscience, le temps d'appeler le secours. Si vous ne connaissez pas vos aventuriers, ne vous aventurez pas. Sortez le véhicule, vous amenez où?
Il y a un endroit, mettez là-bas, mettez-les, peut-être c'est l'air qui va encore l'étouffer. Quelqu'un va péter là-bas l'étouffer. Comme vous comprenez en Dieu. Oui, vous comprenez. Vous voyez que quelqu'un est en train de respirer, dans les minutes qui suivent, meurt. Et pourquoi? Parce qu'on a bousculé, on a mis. Il y a des positions qu'on a mettre quelqu'un quand on le prend de la, quand on est accidenté, du côté de latéral pour que la personne puisse être, pour que son cœur ne soit pas balancé à l'intérieur. Ce sont des gestes des premiers secours. Vous comprenez? Donc chacun doit faire ce qu'il est là. Bon, ouh, il y a un accident, oui. J'ai mon portable, oui. Ce que je peux faire pour l'aider, c'est appeler le CE. C'est quoi? Parce que je n'ai pas une formation de premier secours. Je ne le fais pas. Qu'est-ce qu'il fait? Je balise les lieux pour signaler qu'il y a accident dans ces lieux-ci. Peut-être quelqu'un peut être dans une voiture et qu'il y a quelqu'un qui a fait le premier secours. Il descendra, il fera comme j'appelle. Quand c'est fait comme ça, même si quelqu'un meurt là-bas, ce n'est pas mon problème parce que je n'ai pas fait le premier secours. J'ai balisé les lieux, j'ai appelé le CE. C'est quoi? Pour signaler qu'il y a accident. On peut me condamner que je n'ai pas sauvé quelqu'un. Il ne peut pas courir donc sauver quelqu'un, essayer de sauver quelqu'un dans une voiture accidentée quand tu ne connais pas comment le faire. Quand quelqu'un meurt, est en train de se noyer dans l'eau, il y a la façon de l'attraper pour nager, pour se nager sortir. Si toi-même tu ne sais pas nager, tu ne peux pas mourir pour quelqu'un, pour essayer de sauver quelqu'un. Quand tu vas sentir qu'il est en train de vouloir se noyer, que tu es en train de se noyer, c'est toi-même qui vas encore devant le noyer pour pouvoir sortir. Tu comprends cela? Très bien. Moi, je ne connais pas nager. Donc, ne pas dans l'eau sauver, d'accord? Non. Donc, la même façon, comme tu ne connais pas nager, et que, si quelqu'un est en train de mourir dans l'eau, crie seulement au secours. Les gens qui savent. Oui, t'appelles quelqu'un que vide, enlever le maître nageur. Vous avez suivi? Donc, en réalité, quand la femme, j'ai dit, si dans le mariage, si l'homme et la femme restaient à sa place, le mari irait bien, ça veut dire clairement que ce que l'homme est censé faire, le cahier des charges de l'homme, le cahier de ceci, c'est l'homme. Mais regardez dans ce cas de mariage, vous dites, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le mariage marche? Le cadre des médecins que j'ai pris, quand la femme a fini de faire son diagnostic, il donne, et que l'anesthésie a fait, il a injecté, il y a un temps d'effet d'un médicament. Quand il l'injecte de ça, il faut attendre un endroit, le temps de parler. On va te flatter comme ça. Comment tu veux de ma partie? Oui. Vous avez fait comment? Vous avez un membre de famille que vous voulez qu'on contacte? On va te flatter. C'est pour que ça t'entraîne. À un moment donné, vous entendez, tu entends la voix vient de l'infini. Ça en train de se traiter, ça t'entraîne. Après, tu commences à entendre seulement quelque part. Tu dis, mais vous n'entendez, on lève la main comme ça, tu vois, ça tombe comme ça. On dit que il est go. Les médicaments, ils sont son effet. Maintenant. Le médecin peut entrer en salle. Il entre en salle maintenant, il passe se purifier, il porte le truc maintenant, les bisturis, tout est là-bas maintenant. On met le truc là-bas, le truc pour stériliser. On fait, il dit telle chose. On fait, tu dis. Vous voyez que pendant qu'on a fait ça, la sécurité n'est pas là. L'anesthésie n'est pas là, mais il n'est pas loin. Parce qu'au cas où il y a l'anesthésie qui n'a pas d'effet, on va encore l'appeler pour l'anesthésier. Mais vous voyez que chaque personne a contribué pour que le but, pour que l'opération se passe comme il doit se passer. Donc dans le foyer, c'est que chaque personne a sa place. Ça va finir par marcher comme il se marche, en prenant l'homme et la femme. Si l'homme et la femme font son devoir, quels sont les devoirs et les droits d'un homme dans le foyer? C'est la question qu'il faut poser. Qu'est-ce que le devoir et les droits de la femme? En quel moment il y a cohésion? D'accord? Merci pour la question. Toute question biblique. Ton mari ne t'a pas encore écrit, non? Donc on regarde encore la question. Alors, des questions? C'est pas moi qui demande. S'il demande d'arrêter, je vais arrêter. Est-ce qu'ils ont dit ici qu'on parle jusqu'à 5 heures? J'avais mes trois questions. Encore? On a épuisé ça depuis nous. Oui, donc observe-les seulement. Reste, tu observes la scène. S'il n'y a pas de questions, je vous parle maintenant. Moi, j'ai une question. Oui. Ma question porte sur comment prendre position face à. Quand je regarde par exemple en Europe, tout ce qui est homosexualité, transgenre et tout ça, c'est légalisé. Et quand tu es homophobe, tu es plutôt poursuivi, quoi. On peut te porter plainte et tout. Est-ce que en restant calme, tu es en train de prendre position, c'est-à-dire à ne pas. Quand je prends un exemple, la dernière fois quand c'était le ministre qui arrivait ici au pays par rapport à cette histoire de LGBT et tout là. Parce que c'était l'ambassadeur, non? Oui, bon, l'ambassadeur l'avait. Je voyais sur les statuts non LGBT. J'ai eu peur de mettre ça. Hein? Exactement. J'ai eu peur de mettre. Oui, j'ai eu peur de mettre. Pourquoi? En fait, comme je sais que l'homophobie est condamnée. Et par exemple, dans mes contacts, j'ai les contacts de mes collègues et tout cela. Oui. Donc, moi, je me posais la question,
Est-ce que en ne mettant pas ça clairement, c'est que je ne suis pas en train de prendre position? Tu vois les statuts souvent. Oui, souvent. Qu'est-ce qu'ils mettent? Ils sont libres, ils mettent ce qu'ils veulent. Alors, tu es libre. Oui, tu mets ce que tu veux parce que c'est ton statut. S'ils lisent, ça les condamne, c'est leur problème. Parce que quand ils mettent, par là, ils mettent aussi, ils peuvent mettre les hommes qui sont des sabres, ça veut les hommes. Oui, ça te condamne aussi. Ça veut dire que ça t'affecte aussi parce qu'ils veulent te faire comprendre ou bien assimiler ce qu'eux, ils veulent. Ils veulent t'éduquer selon eux. Alors, dis-leur aussi que je ne veux pas aussi de votre éducation. Tu mets ton statut comme tu veux passer pour toi. Parce qu'un jour, j'avais un professeur, par exemple, qui est homosexuel. Mm-hmm. Et je crois qu'un jour, en classe, je l'avais filmé. Mm-hmm. J'avais mis un statut. Mm-hmm. Il y a lui et j'avais aussi un autre camarade qui fumait. Et c'était écrit sur son truc là, que la cigarette tue. Quelle cigarette? J'ai fait une vidéo courte, j'ai zoomé sur ça et j'ai mis aussi un statut. Mm-hmm. Et j'ai reçu, un peu de messages. Qu'est-ce qu'il y a à juger? Quand tu juges, machin. Mais ça fait quoi? Ça a changé quoi sur toi? Rien. Voilà, donc continue à mettre tes statuts, d'accord? Et si on te condamne, tu subis pour le nom de la vérité, d'accord? Okay. C'est simple. Elle va accepter. Maintenant, est-ce qu'on peut chasser quelqu'un du travail à cause de ça? Mais, si tu peux aller en prison à cause de ça, imagine à cause du travail. Parce que imagine donc qu'on t'appelle dans un conseil. Imagine, prenons un exemple. Quand tu restes dans ton lieu de service, un étudiant dit qu'il y a une réunion que le supérieur veut les réunions. Il dit qu'ici, nous voulons qu'on prenne position pour les homosexuels ou pas. Vous êtes avec nous ou vous êtes avec nous? Nous voulons les transgenres, nous ne voulons pas la discrimination. C'est qui est pour les transgenres? Tu fais quoi? Non, je ne veux pas. Certains, vous disparaissez du milieu de nous, madame, vous ne pouvez pas conserver vous. Tu fais comment? Ça va, non, tranquille, pas, c'est ça dont il est question. Il est l'heure de prendre position pour la vérité. Oui. Très bien. Des questions? J'avoue, c'est un constat. Oui. Je suivais souvent les témoignages des personnes, mais c'est beaucoup plus européen, qui... qui sont, que ce soit homosexuel, étranger, tout ce qui va avec. Quand tu leur poses une question, pour savoir pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça, ils te disent qu'ils sont nés comme ça. Mm-hmm. Puis à partir d'un certain âge, donc ils sont nés filles, par exemple. Dans le corps d'un garçon. Oui. Mm-hmm. À partir d'un certain âge, ils se sont sentis bizarres. Mm-hmm. Que non, ils ont compris en eux que non, ils ne sont pas filles, ils sont plutôt de l'autre sexe. Mm-hmm. Je me demande, est-ce que c'est un esprit qui donc, tu penses que c'est quoi? Dit tout ça? Tu parce penses quoi? Ils tiennent tous le même langage. Mm-hmm. Il faut qu'ils trouvent un... On a vu dans Genèse aujourd'hui comment quelqu'un a dit que non, construisons le bénin, faisons-nous un nom. Non. Qu'est-ce qu'il faisait dire ça? On a vu que c'est un projet qui était babylonien, qui était dans l'autre côté, mais ils accomplissaient comme ça la volonté de Satan. Parce que l'expression de leur parole, des peurs que nous soyons dispersés sur toute la terre. Qui leur a d'abord dit qu'ils sont dispersés sur toute la terre? Tu comprends qu'il y a un ordre divin? Et qu'il y a quelqu'un qui est en train de s'opposer à cet ordre-là. Mais ce sont les hommes qui sont en train de parler, mais on voit que c'est une expression démoniaque. Ça, c'est un. Et deuxième chose, c'est que s'il y a 100 homosexuels ou 100 transgenres, vous les interrogez en profondeur, en allant seul qui confesse, vous allez voir que, il y a 199 auront subi des violences sexuelles dès le départ. Et c'est la porte d'entrée des démons. Donc, soit ils ont fait des attouchements, ils ont eu des problèmes de naissance, des viols des parents et autres. Et comme ça, et chez eux, ça se vulgaire. Si vous prenez. Enfin, essayez de faire maintenant la recherche. Vous commencez à interroger ceux qui ont subi. Ils ont subi ça dès le départ. C'est ce que ça fait que c'est beaucoup plus de choses pour que la pédophilie soit développée. Ces gens qui font ça sur la violence faite à l'enfant, c'est pour que plus tard, il se dénigre lui-même et qu'il ne veut plus avoir le sexe opposé. Et surtout, là, le démon est entré. Comprends cela? Donc, il n'est pas né dans un corps humain. Donc, un de ces jours, il va voir un plantain quand il dit que non, je suis papayé. Normalement, il n'est pas de papayé. Il faut que le papayé sorte du plantain. Tu comprends que ça ne va pas? Donc, ils sont possédés. Tous les homosexuels, tous les transgenres sont possédés. Ce qui est bien dans cette histoire, c'est que si transgenres sont secs, on finit de le dériver au nom de Jésus, il va rester avec le corps qu'il a. Mm-hmm. Il va subir et ça va rester dans sa chair. Alors, des questions? Wow. Il est quelle heure? Le langage de la Bible, on est à minuit 40, c'est ça? On se rapproche de l'heure dit. On peut aller le laisser à l'aéroport, on le laisse là-bas, non? Il reste lui là-bas. Oui. On n'a pas besoin d'attendre, les gens vont le voir. Son démarrage, c'est à quel heure? 4 heures. Il part de ça, il s'assoit là-bas dans le hall là-bas. C'est à 6 heures. Non, pas 6 heures. Je pense que c'est 4 heures. Mais oui, c'est à 6 heures.
C'est à quelle heure? C'est à 6 heures. Tu me comprends. Mais qui avait dit 2 heures là-bas aussi? Ce sont des propositions que vous avez faites. Propositions? Enfin, c'est des propositions que vous avez faites. 3, 2 heures, 3 heures. Mais est-ce que... Ton pied, on va regarder. Ton pied est où? Ton pied. Donc, le fait est ceci. Dieu a sa façon de parler dans la Bible. Et quand il ne parle pas pour rien. Si quelque chose est mis dans la Bible, même si on ne comprend pas, mais le moment vient où ça se révèle pour le coup, pourquoi c'est dans la Bible. Parce qu'il y a un but, il y a un but pour lequel il y a quoi que ce soit là-bas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonne nuit. Des questions encore? Bonne nuit à vous alors. Le langage de Dieu. C'était pour toi seul, non? Oui.